triplé. À trois, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À trois, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À trois, on se chamaille très fort. À trois, on s'aime encore plus fort. À trois, on est plus craquants, les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas. Oh, quel temps. Vous enlevez bien vos chaussures pour ne pas mettre de la boue partout. Et après, au bain. Attendez, j'ai une meilleure idée. Maman va être contente. Faut dire qu'on fait des efforts pour elle. Oui, grâce à nous, pas une seule trace de chaussures par terre. Oh. Eh, vous avez vu? Ça fait comme du maquillage. Fais voir, je vais essayer. Et voici le nouveau champion du monde. Vainqueur par KO, troisième round. En fait, tu ressembles plus à Toto. T'as raison. Très mauvaise imitation. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit au bain. Mais maman, on n'est pas sale. On n'est pas sale? On est dégoûtant. Ne touchez pas au piano. Regarde tes mains. Oui, elles sont mignonnes, hein? Je l'ai déjà dit, on ne touche pas au piano avec les mains toutes sales. T'inquiète pas, maman. Je joue que sur les touches noires. Bon, allez, tout le monde dans le bain. Mais maman, on s'est déjà lavé. Ah bon? Et quand ça? Ben, hier. Parfois, je me demande si elle perd pas un peu la mémoire. Et Toto, tu lui dis rien à lui? Lui aussi, il a les pattes toutes noires. Cafeteuse. Moussaillon! Moussaillon! Hissez les voiles! Moussaillon! Oui, vers l'île au trésor. Pour faire des vagues. Oui. Oh non! Nous sommes en train de couler! Vite! Il faut écoper! À vos ordres, capitaine! Ben alors, pourquoi vous écopez pas? Ça veut dire quoi, écoper? C'est ça, écoper! C'est enlever l'eau d'un bateau pour éviter qu'il coule! Waouh! Ah oui! Je le savais! Courage, matelot! Nous pouvons y arriver! Là-bas! L'île au trésor! À nous le trésor! On a atteint l'île. Mais c'est l'orchidée de maman. Non, c'est une île. En tout cas, elle pourra pas dire qu'on l'a pas arrosée. Les enfants, rassurez-moi, vous ne mettez pas de l'eau partout. Non, pas partout. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, mes chaussures. Mais il faut faire attention. Oui, tu nous dis toujours de bien regarder où on marche. C'est pas de notre faute, maman. Quand on est sale, la salle de bain est propre. Et quand on est tout propre, la salle de bain est sale. Vous n'êtes pas à la plage ici. Je vais préparer le dîner, mais je ne veux plus une seule goutte d'eau par terre. Bon ben, capitaine, je crois qu'il va falloir annuler la mission. Mais non, on est juste perdu en mer. Oh, 33e jour de mer et nous n'avons plus rien à manger. On peut peut-être demander des gâteaux à maman. Mais non! Maman est restée au port et elle pleure en pensant à ses enfants chéris perdus en mer. C'est la fin! Il n'y a plus qu'une seule solution. Il va falloir manger un membre de l'équipage. Oui, tu as raison. Il faut choisir le plus faible et le plus fragile. C'est bon, moi je suis en pleine forme. Moi je suis le capitaine, je ne peux pas quitter le navire. Et moi, la seule fille. Vous ne pouvez rien me faire. Alors ce sera... toi! Bon, Hé, on n'a qu'à tirer à la courte paille. Attendez. Je parie que c'est moi qui vais tirer la plus petite. Allez, chacun un. Bon,
Il n'y a plus qu'à mesurer. On va bien voir, Moussaillon. Bon, ils sont tous de la même taille? C'est nul. Non, c'est chouette. C'est des cotons-tiges triplés. Et puis, comme ça, on reste tous les trois dans le bateau. Oui, et puis, si on a faim, on n'a qu'à manger une mouette. Je sors ma longue vue, capitaine. Pas une seule mouette à l'horizon, capitaine. Mille sabords. Elles ont dû nous entendre. Il va falloir pêcher. On est prêts, capitaine. Plongeons. Regardez, des poissons brosses à dents. Et là, un poisson rouge à lèvres. Faites attention, c'est un requin rouge, un mangeur d'or. C'est bon, il s'enfuit. Ah! Attention, une pieuvre géante! Ah! Fuyez, fuyez! Au secours! Moi, une pieuvre géante? Eh bien, merci. Allez, vous avez fait assez de bêtises comme ça, on sort. Oh non, maman! S'il te plaît, encore un peu. On n'a pas encore trouvé notre trésor. Super, le trésor. Ma brosse à dents et mon rouge à lèvres. Vous exagérez. Quand il faut prendre un bain, vous ne voulez pas y aller. Et quand c'est l'heure de sortir, vous ne voulez plus partir. Oui, mais comme ça, on l'a pris pour plusieurs jours. Oh. Très malin. Allez hop, en plus c'est l'heure de dîner. En tout cas, vous avez intérêt à m'aider à tout ranger après. Moi aussi, je veux prendre mon bain. Les enfants, c'est très gentil de m'avoir fait couler un bain, mais vous n'auriez pas dû mettre autant de bain moussant. On n'a pas mis de bain moussant, maman. On a mis du liquide vaisselle dedans. Ça mousse mieux, non? Oh, en plus, ça sent bon le citron.